à tous. Nous sommes aujourd'hui à Brest pour un grand événement, un grand rassemblement qui a lieu ici tous les 4 ans. Nous sommes le Tonnerre de Brest. Plus de 1400 bateaux de tradition se sont donné rendez-vous cette année pour faire la fête pendant toute une semaine. C'est en plus une édition très spéciale puisque l'événement fête ses 20 ans cette année. Alors pour ce magazine très spécial consacré au Tonnerre de Brest, je vais vous emmener à la rencontre de gens de mer, des amateurs ou des passionnés. Je vous ferai ensuite découvrir la Recouvrance, une goélette magnifique, réplique d'un navire de guerre de 1817. Je vous souhaite la bienvenue à bord de Saltwater, le magazine de la mer. Les Tonnerres de Brest, faut-il le rappeler, sont un grand rassemblement international de vieux gréements. Une grande fête du patrimoine maritime qui se tenait pour ses 20 ans, du 13 au 19 juillet 2012. Depuis 1992, Brest et sa célèbre rade sont devenus un lieu de rendez-vous unique qui accueille tous les 4 ans les amoureux de la mer, de la voile et des coques patinées. En quelques chiffres, les Tonnerres de Brest 2012, c'est 5 pays invités d'honneur, le Maroc, la Russie, le Mexique, l'Indonésie et la Norvège, 9000 marins, 950 bateaux, 126 bateaux de plus de 20 mètres, dont 17 grandes unités de plus de 40, 700 000 visiteurs, le tout sur 9 km de quai et 90 hectares de superficie. Ce qui est génial au Tonnerre de Brest, c'est qu'on peut passer des vieux gréements aux Vikings en allant d'un ponton à l'autre. On est ici sur le village de la Norvège. Vous allez découvrir avec moi l'artisanat local. Vous allez voir, ça sent bon le bois. La Norvège, un pays scandinave avec une très forte tradition maritime. Le premier bateau découvert sur leurs côtes date d'il y a 2000 ans. Et pour preuve, on m'a dit qu'un Norvégien sur 4 possédait un bateau. La mer serait donc pour eux un véritable art de vivre. Et c'est sûrement pour cette raison que le pays est présent sur le site en tant qu'invité d'honneur pour la troisième fois. À flot, une vingtaine de bateaux historiques chargés d'histoire. À terre, la Norvège étale sa culture et sa tradition. L'odeur du pain fraîchement fondu enivre tout le village, une immersion totale pour tous les sens. On passe d'une préparation de poisson au rabotage d'une rame, le tout animé par une fanfare de vikings. Ici, on découvre des hommes, tous norvégiens, attachés à la construction d'un hangar à bateau. Chaque tuile est façonnée à la main, enfin plutôt à la hache. Un peu plus loin, des séchoirs à poissons en forme d'échafaudage. Cette méthode serait connue en Norvège depuis plus d'un millénaire et c'est le seul pays au monde qui produit du poisson simplement séché. Dans cet atelier, on fabrique des cordes de cuir à base de peau de mammifères marins. Avant, après. Cette méthode a été un pilier de la marine norvégienne jusqu'au 19e siècle. Alors là, c'est moi à l'épreuve. Le but de la manœuvre, c'est de faire chauffer les cordes grâce au frottement afin de la rendre plus souple. J'avoue, c'est super sport, mais ça marche. Ah oui, d'accord, ok. Very strong. Je suis maintenant avec mes amis vikings dans un hangar à bateau. Mais maintenant, le bateau dont je vais vous parler, lui, est déjà à l'eau et a déjà fait ses preuves en matière de navigation. Construit par le chantier Latitude 46, il allie classicisme et modernité, ligne traditionnelle et technologie. Voici le Tofinou, un bateau classique dans l'air du temps. Les Tonnerres de Brest font partie des grands rassemblements de vieux voiliers, l'occasion pour nous de mettre à l'honneur un bateau de construction française qui combine la beauté du tech avec la modernité de l'inox et du carbone, le tout avec un look résolument rétro-chic.
Sorti du chantier Latitude 46 basé sur l'île de Ré, le Tofinou est un voilier qui fait rêver. Créé il y a 20 ans par la famille Joubert, le chantier a démarré par la construction d'un bateau aussi original qu'inattendu, le fameux Tofinou. Il s'agit d'un dériveur de 7 mètres retrouvé échoué sur un banc de sable de l'île. À partir de sa coque, les fondateurs ont réussi leur pari, recréer ce petit voilier, réplique des années 30, habillé de teck et d'acajou verni. Le Tofinou séduit par la beauté et l'harmonie de ses lignes, à la fois authentique, performant et confortable, une référence. La gamme des Tofinou comprend aujourd'hui 6 voiliers d'exception de 7 à 16 mètres. Avec un souci extrême de perfection, Philippe Joubert, l'architecte, a étudié les moindres détails pour permettre de naviguer seul ou en famille. Les régatiers apprécieront la qualité et la disposition de l'accastillage. Comme le disait Éric Tabarly, les beaux bateaux en général marchent très bien sur l'eau. Le Tofinou, quant à lui, est un voilier splendide, résolument haut de gamme. Performant et fiable, il est doté d'un charme fou. La Recouvrance est une goélette construite au début des années 90. C'est une réplique d'un navire de guerre de 1817. C'est aujourd'hui l'emblème de la ville de Brest. Une de nos équipes a eu la chance de naviguer à bord il y a quelques temps. Ça donne un très joli reportage que je vous propose de découvrir tout de suite. Et on vient en arrière comme ça, et on revient vers le pic tout en tirant vers le bas, comme si on plantait un pieu. Comme ça, hop. On pèse. À peine montés à bord, nous sommes déjà perdus au milieu du nombre incalculable de drisses, de câbles et de bouts en tout genre. Ici, passagers et équipiers, tout le monde aide à la manœuvre, car il n'y a quasiment aucune voile qu'on ne peut envoyer ou régler tout seul. Ce travail collectif, c'est aussi ça qui fait la force de la Recouvrance. Contrairement aux apparences, ce navire a touché l'eau pour la première fois en 1992. C'est grâce à la volonté d'une association que le projet de reconstruire une réplique d'un plan de 1817 prend forme en 1990. Le chantier du GIP en assure alors la construction. La Recouvrance fait sa première apparition publique il y a 20 ans, lors de l'événement de Brest 1992. En 2000, elle devient propriété de la ville de Brest, qui en fait son symbole. La Recouvrance est ce qu'on appelle une goélette aviso. Goélette par son plan de voilure, aviso comme son nom l'indique, c'est un bateau qui servait à aviser, à porter des messages. Car à l'époque, ces bateaux étaient armés par la marine de guerre. À l'intérieur, une soute technique à l'avant, que l'on appelle un pic avant. Des cabines d'équipage et de passagers, le carré avec la cuisine et la partie sanitaire, et tout à l'arrière du bateau, la salle des machines. Bien plus qu'un bateau, la Recouvrance est une invitation maritime unique. Naviguer à bord de cette goélette, c'est revivre la grande époque de la marine à la voile et les aventures des expéditions lointaines. Vous renseigner ? Bonjour, bonjour, oui, Charlotte. Bernard. Enchanté. Je m'intéresse un peu là, ce qui se passe ici. Eh ben, il y a des gens qui travaillent. Travaillent ? Vous pouvez le voir, ouais, qui travaillent. C'est pas que la fête, alors ? Ah, c'est pas que la fête. Oh, si, c'est la fête quand même, parce que c'est un boulot qui est plutôt sympa. Et puis, c'est un boulot qu'ils font pour eux. Ils sont en train de se construire leur bateau, en fait. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est un bateau qui est en train d'être construit.
Voilà, ça c'est une petite plate qui est en train d'être construite. C'est une plate qui a été dessinée par un architecte naval qui s'appelle François Vivier. Et il y a un chantier naval qui produit ce genre de plate et qui produit des kits de ces bateaux. Et donc les gens qui viennent là, ils achètent le kit du bateau et puis ils le montent. Et à la fin des fêtes, mercredi, on met le bateau à l'eau puisqu'on en fait plusieurs. Et puis le tout en fanfare. Et chacun va mettre à l'eau le bateau qu'il a construit. Ça veut dire qu'en une semaine, on peut construire son bateau ? Alors, en une semaine, on assemble un kit d'un bateau déjà découpé. Voilà. Donc, on part de partir de feuilles de contreplaqué sur lesquelles sont tracées le contour des pièces. Et les gens qui sont venus là ont donc découpé les pièces et les ont rabotées jusqu'au trait. Puis, ils ont assemblé les plaques. Et puis, voilà, ils sont passés de la 2D totalement virtuelle en papier à de la 3D qu'on peut toucher et qui va aller sur l'eau et qui va flotter. Il faut s'y connaître un peu avant ou c'est des gens qui sont complètement amateurs ? Alors c'est des gens qui sont complètement amateurs mais ils sont encadrés par des professionnels qui ont déjà construit ces bateaux-là, donc qui les guident. On a juste à côté un joli bateau qu'on dit voile aviron. Ouais, on va voir. Donc on voit que les planches là se recouvrent les unes sur les autres. Mais au lieu d'être comme sur des bateaux traditionnels en bois riftés, eh ben, ici on a collé. D'accord. Alors le bateau précédent et ce bateau-là sont des bateaux qui sont faits en contreplaqué que l'on dit cousu-collé. C'est-à-dire que lors de l'assemblage, on a fait de la couture entre les planches, on a fait des petits trous là et là. On a mis un fil de fer pour retenir les deux planches l'une contre l'autre. Et puis on a été mettre entre les planches à cet endroit-là une résine époxy chargé de fibres de bois, en gros. D'accord, donc c'est complètement étanche. Voilà, c'est étanche, c'est collé et c'est solide. Et c'est aussi solide que s'il y avait des vis, des pointes. D'accord. Combien ça coûte de faire construire ce bateau, ce kit ? Alors, pendant le temps des fêtes, là, le prix du kit débité et livré ici, c'est 1 780 €, je crois. Ah, donc c'est intéressant quand même. Oui, oui, c'est très intéressant. En plein chantier, ouais. T'es en plein travail là, t'es sur ton bateau ? Ouais, on est en train de poncer, c'est un peu fastidieux, mais ça avance doucement, ouais, c'est bien. C'est ton premier bateau ? Ah oui, moi j'ai jamais fait de bateau. C'est vrai ? Ouais, ça fait longtemps qu'on avait envie d'en faire un avec un de mes potes. On a lu qu'il recrutait du monde pour acheter un kit. Ouais. Et qu'on pouvait le faire en 5 jours avec l'expertise de celui qui a fait les kits déjà. Ah, donc c'est super. Eh ben écoute, merci. Je te laisse retourner à ton travail et puis bon courage. Ciao, merci. Salut. Salut. Daniel sur les pontons. Daniel, tu viens là chaque édition, ah oui, depuis le début. Depuis que ça a commencé. Ouais. Depuis 92, tu 92, viens. 92, on est là. Ouais. Tu viens toujours avec le même bateau. Toujours. Non, j'avais un plus petit un peu avant. Parce que, bon, une petite famille, ça suffisait. La famille a grandi, le bateau a grandi. Voilà. D'accord. Donc dans 4 ans, tu reviens avec un truc énorme. Alors ça a fini par le Belém. Ah ouais. Ouais. Non, mais je suis pas si prolifique non plus. Hein, Est-ce que c'est un rassemblement pour toi qui compte ? Tu veux pas en louper un seul ? Comment ? Il y a une notion qu'il faut prendre en compte. Il ne peut pas y avoir des spectateurs et des animateurs. Il faut que tout le monde soit animateur. Il ne faut pas avoir les deux. La dualité, ça ne marche pas. Bon, c'est bien. Ouais, ouais. Mais alors, bonne fête et puis à bientôt. Merci. Salut Daniel. Salut, à la prochaine. Notre ami Daniel à la barbe blanche veut l'acheter, mais je ne suis pas sûre qu'il soit à vendre. Vous l'aurez reconnu, voici derrière moi le Belém avec ses trois mâts et sa coque d'acier noire et blanche. C'est un bateau qui fait partie des plus prestigieux navires qui sont présents sur le site. Ce trois mâts de 51 mètres est rempli d'histoire. Construit à Nantes en 1896, il ramène des côtes d'Amérique du Sud et des Antilles du cacao plein les cales. Il a changé trois fois de nationalité avant de retrouver le pavillon français en 1979. Voici
voici en images la grande parade, l'événement très attendu de cet tonnerre, où pour le plus grand bonheur des yeux, des milliers de bateaux croisent l'étrave de Brest à Douarnenez. Un émerveillement sans pareil. Après une semaine à quai, les bateaux ont largué les amarres et sont à présent tous en mer, cap sur Douarnenez. De toute taille, petits ou grands, ou même très très grands, ils sont près d'un millier à parader tous ensemble en guise de salut. Chacun sait qu'il faudra attendre encore 4 longues années afin d'assister de nouveau à un tel spectacle. La fête des tonnerres de Brest 2012 a été à la hauteur de ses 20 ans. 950 bateaux sont venus parader dans la rade de Brest, embarquant à leur bord plus de 9000 marins. C'est qu'à voir tous ces beaux bateaux, moi aussi ça m'a donné envie de naviguer. Alors je vous dis à bientôt pour un prochain numéro. Allez matelots, larguez les amarres, hissez la grand voile.